think that was 47-2? We knew it was. We were so confident we set up an international task force to hunt him down and destroy him. Even assuming this guy exists, he's still just an assassin. What's the big deal? The big deal? He's the perfect clone. His DNA is a how-to manual for any cloning lab in the world. With Mr. 47 in their clutches, there'd be nothing to stop a rogue state from building an entire platoon of 47s. A whole army. These public statements you've been making against cloning, is this what it's all about? Of course. But surely you can't oppose all the uses of cloning. The medical advances, the possible curing of... Medicine won't do us much good if we're all the slaves of some clone army dictatorship, will it? Off the record, Jack. You're not serious. You have no idea how serious. That's why we had to eliminate 47. Having him on the loose was just too dangerous. Why not go after whoever created him? Well, we did. But whenever we got too close, our agents got killed. By 47? See for yourself. Alors, troisième mission, qu'est-ce qui nous attend ? I'm sorry we have to meet like this. It's dangerous to meet in person. You're normally more prudent. What's going on? Looks like we've got a mole at the agency. Here's your briefing. Thanks. I'll read it later. How's that wound healing? Fine. Are we done here? One thing. We haven't been able to get a positive ID on the target. There's a government agent in there already, though we think he knows. The price for his knowledge is getting him out alive. And that raises my price. Already factored in. Take this. Designer poisons? The clinic only lets clients out when they're fully recovered. Okay. The injection puts its victim into a hibernatory state. Apply the antidote on the lips to revive them. What if this agent's already dead? I trust you, 47. The money's been transferred to your account. Bah si, j'ai déjà son nom. Je suis ravie de votre retour, 47, et aussi de voir que vous avez récupéré. Votre prochaine mission est en Californie du Nord. Trois mafieux ont été admis dans une clinique de désintoxication pour alcooliques. L'un d'entre eux projette de témoigner contre ses amis dès sa sortie. Notre client veut éviter cela, mais nous ne savons pas lequel des trois est la cible. Un agent infiltré dans la clinique pour le découvrir n'a plus donné de nouvelles depuis quelques jours. La clinique ne libère ses patients que s'ils sont sobres ou morts. Notre agent est apparemment maintenu sous, pour des raisons inconnues. Alors il faudra le tuer pour le faire sortir, mais on a besoin de lui vivant. Nous allons vous confier un sérum expérimental qui lui donnera l'apparence de la mort, ainsi que l'antidote pour le ranimer une fois dehors. Il se passe de drôles de choses dans cette clinique, 47. Ouvrez l'œil. Question du policier. C'est une bonne chose. J'ai cru que c'était un patient. Lui, il faudrait le bousiller, comme ça on est tranquille. Stop ! Au secours ! Bon, c'est un échec, on recommence. Il m'a grillé. Tu as vu l'albinos qui... On va y arriver, hein. Putain, j'aimerais tellement la réussir à cette mission. C'est une des missions que je galère. Verre. Alors tout ira bien. Oui, oui, bien sûr. C'est la fête. Bon. Normalement, on le verra pas comme ça. Le flic, l'autre flic arrive, ça c'est bien. Ça lui, je le fous dans la malle.
Enfin, dans la mal, vous avez compris, dans le... Empire, non merci. Non merci, Tom. Je suis désolé, j'accroche pas la période avec les armes à feu. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime le corps à corps et tout ça. Je vois pas d'intérêt en Empire. Enfin, il avait de bonnes idées, peut-être, mais il m'attire pas. Après, un jour, peut-être que tu dis ça, je dis ça, mais qu'il y aura un total war sur la Renaissance. Donc, viens avec toi. Bonjour, monsieur. Vite. On ouvre ça. Ouvre le couvert, je te dis. Bon, au moins déjà, on n'a pas de sang. Parfait. Donc il y a deux entrées possibles hein, dans le scénario. C'est soit tu te déguises en patient malade, là. Soit tu te déguises en garde de la sécurité. Le garde de la sécurité, je trouve que c'est plus simple parce que tu peux te faufiler dans toutes les salles. Et on te soupçonnera très peu. On va y arriver, hein. Comme ça, dès que l'autre y revient, zoup, il sera plus là. Donc c'est pas ici, ok. Franchement, ok, donc là c'est pas l'étage donc. Donc là on est dans la cuisine, ok. C'est pas ici. Des chiottes. Il n'y a personne. Là, l'idée, ça... Donc, les deux surveillent la salle D, donc ça veut dire qu'il est là, le Gugus. C'est rien, inspection de routine. Donc ça nous ouvre pas. Chut. Ni vu ni connu. Bah non, tout va bien. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Monsieur Rose, il se calme. Enfin, tu m'as compris. Parce que même plein de défauts, j'aime bien y jouer. Ah, chacun ses goûts. Après, s'il refaisait un Total War avec, je dis pas, hein, peut-être qu'avec les graphismes actuels et des mécaniques et moins buggées, peut-être que j'accrocherais aux armes à feu. Hein. Hop, et de deux. Oh bah oui, il se passe quelque chose. Ah bah punaise. Rappelez-moi de jamais venir ici, hein. Note à moi-même.
Maintenant, il faut plus attendre que Monsieur Muscle arrive. Putain, mais il boit sous le nez de l'autre, quoi. Mais sérieux. Ah merde, j'étais filmé. Lui vient là. Je sais pas si on peut discuter avec quelqu'un spécifique dans le scénario ou non. Donc on attend que lui y arrive. On zigouille sur le plateau. Dès que les tours, il n'y aura plus personne. On va chercher notre colis. How dare you? Quelle heure en ce moment pour prendre des employés? C'est pas des employés que je critique, c'est la hiérarchie. C'est pas la même chose. Donc là, il faudrait que j'arrive à récupérer la caméra. Je sais que la bande. Je sais où il faut que j'aille de toute façon. Weltoubib, c'est l'heure de ma saloperie de séance. Weltoubib, c'est l'heure de ma saloperie de séance. Surveillons. Allez, man, je peux le faire. Vas-y. Allez, allez. Parfait, et de 3. Donc nos 3 cibles, je pense que c'est bon. Il nous faut récupérer l'agent Smith, là. Pas Hugo Weaving, attention. Non, c'est pas ici. Oui, bonjour mon brave. Comment il me regarde, une vraie tête d'assassin. On prend la bande, on prend la carte. Je ne sais pas ce qui se passe dans cet hôpital, mais c'est franchement un scandale. Tu peux descendre les escaliers. Bah attends, on va voir. Casse-toi et t'auras pas d'emmerde. Bon, mais tu me parles autrement. Hein. Faut le mettre tranquille. Il passe la fenêtre. Dites-moi qu'il y a un conteneur là. Oui, il y en a un. Eh merde, je me suis fait griller. Vite. Comment il m'a grillé? On va pas trop traîner. Parfois il faut savoir improviser. C'était pas très discret hein, comme approche, je me dirais. Il est où notre patient? Il est là. J'aurais dû m'en douter. Mon drogué. Psychotrope.
ce qu'ils ont fait. Le mec est là. Le mec est là, ici. Je vais vous sortir d'ici. Ils me laisseront jamais partir vivant. Je sais. Fais-moi confiance. Identité obtenue. J'exécute le reste de la mission. Parfait, 47. J'ai une information qui pourrait vous intéresser. À la suite d'une évolution de l'équilibre des pouvoirs entre les familles de New York, deux contrats secondaires ont été passés. En plus de votre cible principale, deux membres du même groupe résident actuellement dans le complexe. Okay, l'exécution de ces contrats supplémentaires sera payée 50 000 $ par tête. À vous de voir. Compris. Alors, je sais pas si je vais réussir. Et merde, je me suis fait griller, c'est ça? Bon, ils emmènent l'agent, c'est pas mal. Il se passe de drôles de choses, hein. Alors, la question de savoir, est-ce que je suis visible, là? Non, tout va bien. Everything is fine. Je pense qu'il faut juste que j'attende que le corps, enfin le corps d'Agent Smith soit dans la morgue et ensuite j'y vais. D'où je suis bloqué là? Oh, j'ai peur. Il est arrivé, ok. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a de drôles de choses. Merci. Comme ça. Bon, c'est optionnel, mais bon. On ranime Smith. Pourvu que ça passe. Ça va? Bon, t'as bien ressuscité, mon vieux? Ce chat il est merdique, hein. C'est un truc de dingue. Je déteste quand ce chat nous fait de la merde.
Ah, je me suis fait repérer. Voilà. Alors, Lorenzo Lombardo est retrouvé mort. La police pense qu'il s'agit d'un tueur à gage. Le LAPD a confirmé ce matin que le trafiquant d'armes notoire Lorenzo Lombardo a été tué hier au centre de désintoxication de Pincon. Lombardo aurait été victime d'une violente altercation qui a provoqué 8 morts. 5 agents de sécurité de la clinique étaient parmi les victimes. Responsable Martin Paz déclare : c'est un jour très sombre. Ces gars étaient plus que de simples collègues, c'était des amis. 3 patients innocents étaient également parmi les victimes. 8 coups de feu entendus. Une comparaison, des tirs au talent limité, mais dont l'enthousiasme peut s'avérer dangereux. Les enquêteurs indiquent qu'un outil a été utilisé probablement avec une corde de piano. 3 des victimes ont été exécutées d'un tir à la tête. 4 des victimes ont trouvé la mort en circonstances mystérieuses. Donc on sait juste que c'est un homme, bon ça va. On va sauvegarder.